Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo hyper spéciale les gars, parce qu'aujourd'hui on a eu un mode exceptionnel que je vais vous présenter là en vidéo. Et ce soir je serai en live de peut-être 20h30 à 22h ou 21h à 22h. N'hésitez surtout pas à me rejoindre en live ce soir. Pour ceux qui n'ont pas la cloche de notification, n'hésitez pas à l'activer, à vous abonner si c'est pas fait, parce que ce soir on le teste en live. Le nouveau mode. Donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve tout de suite dans le magasin pour vous montrer le mode. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, on se retrouve dans le magasin. Vous voyez, j'ai sélectionné moissonneuse-batteuse, mais non les gars, on va aller dans chargeuse sur pneus. Et vous le voyez, les tractopelles 1260E câble. Donc câble, c'est la nacelle avec la nacelle, et City, c'est sans la nacelle. Donc un tractopelle de la marque Udig. Donc vraiment un tractopelle de 157 chevaux qui prend 23 emplacements sur farming PS4 et console, on va dire. Il roule à plus de 48 km/h, donc il roule à 48 km/h. Il a un réservoir de 400 litres, pardon. Et donc on est parti pour acheter en premier celui-là. Donc vous le voyez, un tractopelle magnifique, vraiment. Voilà, j'ai Là, je l'ai téléchargé direct, je vous fais direct la vidéo. Franchement, voilà, il n'y a rien de préparé, hein. Alors, on a type câble ou rail. Voilà. On a donc différentes configurations de pneus. Donc, les pneus NMC, les pneus Nokian pour moi. Avec toujours les rails, les chenilles. Donc, ça, c'est des chenilles Lizard pour moi. Voilà, c'est un tractopelle plus pour ce qui est forestier et tout ça, je trouve. On a les pneus donc Trelleborg et on va partir sur ces pneus-là parce que je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Ça fait un peu les pneus que mon père a sur son tractopelle, donc voilà. Alors floor mat configuration, ça je ne sais pas ce que ça peut être, mais voilà. Alors on va regarder flotte. Alors si vous savez, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ah, c'est le tapis à l'intérieur. Voilà, vous le voyez, c'est le tapis à l'intérieur. Je vous mettrai peut-être une flèche au montage. Voilà, c'est le tapis à l'intérieur. Donc, regardez bien la cabine. Voilà. On va le mettre en comme ça. Et light configuration. Donc, ça doit être les gyros, les phares. Oh là 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 là. Voilà, on va mettre full option. 250 000 euros. On peut bien sûr changer la couleur principale. Ah, j'ai changé les pneus par contre. Voilà. On peut bien sûr choisir la couleur. Donc on peut le mettre en violet, on peut le mettre en jaune, en noir. Oh, on va le mettre en noir, il est assez beau. Couleur des jantes, on peut le mettre en rouge, ça fait vraiment un beau truc. Et après, bon, on peut changer différentes choses. Voilà. Donc on va l'acheter pour ce tractopelle avec la nacelle au-dessus. Enfin, pour moi, c'est une nacelle. Ensuite, on va l'acheter en City, version City. Donc ben voilà, c'est parti. Alors pareil, on a rail, on a les pneus. On va prendre des pneus Trelleborg. Oh ben on va prendre. Ouais si on va prendre les pneus Trelleborg avec les machins pour les rails. Je sais pas, c'est peut-être des roulettes. Enfin, on a pareil pour l'intérieur. Et on a les gyros. Donc pareil, on prend full option. Ici on va le mettre en. On va le laisser comme ça, couleur principale. On va juste mettre les jantes. Est-ce qu'il y a du blanc? Ouais, voilà. Voilà, on va le prendre comme ça. 241 000 euros. C'est parti. Donc il a la même puissance, tout ça. Hein. Voilà, on est parti maintenant pour les godets. Donc ça se trouve dans divers. Alors, dans divers, vous voyez mes emplacements. Hein. J'essaye de faire au mieux. J'ai vendu un camion, tout ça, mais bon. Alors ça, on en a un adaptateur. Donc pour moi, c'est pour différents godets. Donc on va acheter ça. Hop. On va tout acheter, hein, je pense. On a une sorte de niveleuse, donc qu'on met à l'arrière du bras, sur le bras. Donc c'est parti, on achète. Voilà, on a une sorte de broyeur, je pense que c'est un broyeur. Donc c'est tout le temps écrit NMC, donc c'est le modeur. Ou les modeurs. Pour moi, je pense que c'est les modeurs. Ensuite, ça c'est un crochet d'attelage. Donc voilà, on pourra peut-être. Enfin voilà, c'est un crochet d'attelage quoi. Hop, voilà. On a donc ça doit être une rogneuse de souche.
Voilà une rogneuse de souche, donc avec les dents. On achète. On a, donc ça c'est une scie, en gros c'est pour couper du macadam, donc du bitume. C'est par exemple si on vous trace un tracé sur une route, il faut ouvrir pour creuser pour avoir un tuyau, ben ils prennent ça les personnes pour couper, donc je sais pas si ça fonctionne. Mais on va l'acheter en tout cas. Donc pour moi c'est ça, hein. J'ai toujours pas testé, hein, je vous préviens. Alors ça, ces godets-là sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment pour les godets. Enfin, c'est juste magnifique en fait le tractopelle. Qu'il a pu faire ça ou même qu'ils ont pu faire ça sur PS4, c'est super super bien. Voilà, on a le godet de curage, le godet plat. Donc ils ont pas une grande capacité, mais franchement pour le TP c'est pas. Alors ça, un petit godet de tranchée, franchement il est vraiment beau. Hein. Je pense que ça reprend du pack Enkun. Enkun, vous dites comme vous voulez. Encore un godet, donc ça lui il est un peu plus large, un peu. Non, il est un peu moins. Enfin, il est un peu plus large du devant, mais de l'arrière, du fond, non. On a une fourche à palette. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais ce qui peut servir sur les chantiers, hein, bien sûr. Et on a l'attache Enkun. Donc ils appellent pas ça Enkun, mais on peut appeler ça Enkun. Et on voit bien les pinces derrière, donc je sais pas si c'est fonctionnel, on va voir ça. On a une pince, une tête d'abattage, ça c'est pour planter des arbres. On testera en live ce soir, donc encore une fois n'hésitez surtout pas à venir sur le live ce soir. Donc voilà les gars. Je vais juste vérifier le son du jeu. Où on est bien. Voilà, ce tractopelle. Il est bien sur mon écran. Et aussi, normalement, on a aussi une petite remorque. Je viens de m'en souvenir. Ça doit être dans remorque. Je crois qu'on a une petite remorque parce que j'ai vu un peu les vidéos teaser du modeur. Et normalement, voilà, on a une petite remorque. Basique, hein, bien sûr. Mais c'est pour mettre des godets. Donc, c'est ce qu'il y a de plus basique. Mais on peut quand même mettre des choses dedans. Enfin, des matériaux plutôt. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour tester les tractopelles. Donc, allez, on va monter déjà dans celui-là. Je vais juste mettre les indications. Alors déjà, la petite animation de la porte. La vidéo sera peut-être longue, mais si vous n'avez pas eu le temps de la voir avant le live, ben, donc là on a plusieurs vues, donc n'hésitez surtout pas à la voir après le live ou avant le live. Voilà. Donc on est parti, on va le démarrer. Voilà, on va le redémarrer de l'intérieur pour voir un petit peu les animations. Ah oui. On n'est vraiment pas sûr. Ah oui, quand même, hein. Je vais juste regarder. Bon, je vous coupe un petit peu. Mais je pense que sur chargeur, sur pneu, on doit peut-être. Voilà, on a. Oh, bah on a encore plein de choses. C'est vraiment énorme. Donc, on a. Ça, c'est une tête. Moi, j'appelle ça des têtes. Enfin, voilà. C'est pour mettre sur la fourche et pour orienter le godet à l'avant. Voilà, on a un crochet, donc je vais pas l'acheter, mais un crochet télescopique. On a pareil une fourche à palette, donc je pense que c'est peut-être mieux de le mettre à l'avant. Et on a le godet, on va l'acheter. Le godet NMC, voilà. Normalement j'ai tout acheté, si j'ai oublié, ben, de toute façon on regardera ça en live. Alors ça met déployer le véhicule, donc non, déployer tout court, je pense. Donc c'est pour la nacelle. Et en plus on est dedans. Ah oui quand même. Ah ouais. Donc vraiment gros GG à eux. Vraiment. Alors là je viens de remarquer, on peut ouvrir la vitre à l'arrière. Oh bah là. Oh là 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 là. Je pense que vous allez me voir vraiment souvent avec ce tractopelle. Ah oui quand même. Ok. Je teste vraiment en même temps que vous, donc excusez-moi si c'est pas fluide ou quoi. Alors on va s'écarter un petit peu du deuxième. On a vraiment le bip et tout, donc ça c'est vraiment super bien fait. Alors on a les bêches. Et en plus on a tout. Tout est animé, hein, vraiment. Alors on a quoi d'autre? Donc on peut tout orienter. On peut vraiment tout orienter, les gars. Même le balancier. Ok, donc là bon là la vitre. Ensuite, donc là on va passer sur la grue. Donc voilà. Hop, ok, tac. Ici c'est pour fermer. Bon, ça va être assez compliqué
de tout gérer, mais franchement. Franchement, oh ouais. On va se mettre en vue intérieure, regardez, tout est animé. Hein. Mais vraiment tout. Je sais pas s'il y a un autre truc. Lift. Je sais pas ce que ça peut être. Mais voilà pour ce qui est de ce tractopelle. Donc sur cette version là. De toute façon ce soir on va test. Voilà, je voulais regarder le klaxon et les gyros. Ouais ouais. Ce soir on va test tout en live, donc n'hésitez surtout pas à venir. Voilà, celui-là c'est vraiment le tractopelle que je préfère. On va pas se le cacher. Sans la nacelle, ça fait vraiment petit tractopelle. Enlever la bâche. Voilà, donc c'est pour les trains. Alors, voilà, même bruit. Au niveau des phares, on va regarder un petit peu. Oh ouais. Ah, par contre, c'est vraiment bien illuminé. Ok, clignot. Mais c'est vraiment un super tracteur. Un super tractopelle, pardon. Alors vraiment, là, enfin, je m'y attendais vraiment pas qu'il soit aussi bien fait. Donc on a vraiment tout. Hein. On va ouvrir carreau parce que vraiment, c'est vraiment un truc que je m'y attendais pas non plus. Allez, hop. Donc on va atteler. Bon, après on a la fourche devant, hein, ça se contrôle basiquement, on va dire. Donc on a ça, on a vraiment tout. On a les bêches. Voilà. Alors hop, on va atteler ça. Je sais pas comment ça s'attelle. Je sais pas. Je pense que c'est pour mettre des godets de l'avant du tracto. Hop. Donc voilà, on va poser ça là. Mais vraiment, hein, je vous le dis encore. Mais n'hésitez surtout pas à venir en live ce soir pour qu'on teste vraiment tout. Parce que là, c'est vraiment une petite présentation. Mais ce soir en live, je vais tout vous présenter. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à venir. Alors, on va tester la tête Encon. Donc, ouais, voilà, je vous dis encore, mais n'hésitez surtout pas à venir en live ce soir. Hop. Je sais pas si vous entendez. Voilà, un tracteur qui passe. Donc, vous voyez, on a bien la pince qui fonctionne. Ah ouais, c'est... Ah, c'est magnifique, quoi. S'il n'y a pas de mots, en fait, c'est magnifique. Ah, on peut tout orienter. On va attacher un petit godet. J'ai bien envie de mettre... Allez, le petit godet de tranché. Non, pas celui-là. On va prendre... Hop, hop. Donc, voilà. Donc voilà, je vous le dis encore, je me répète beaucoup, mais n'hésitez surtout pas à venir en live. Hop, là, on peut creuser. Tac. On va mettre les bêches pour faire réaliste. Alors, tac, tac. Hop, on met les bêches. Je voudrais voir à l'intérieur si la tête Encon est animée. Enfin, si on a les... Ah, on n'a pas, mais bon. Franchement, c'est... Y a rien. Enfin, c'est magnifique, quoi. Donc on peut bien sûr tourner les godets complètement. Voilà. Enfin, on peut tout faire, quoi. On peut vraiment tout faire. Hop, tac. Bon, par contre, ça va être quelque chose à être habitué parce que les touches, vous le voyez en haut, sont pas pareilles que sur les pelles, donc ça va être autre chose. Donc vous voyez, hop. Là, voilà. Non, mais vraiment. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, les gars. C'est super. Donc, vraiment. Voilà, là, je peux pas tout vous présenter. Je vais faire un tour avec vous des godets. Donc, de tout ce qu'ils proposent. Donc, on n'a pas tout acheté. Donc il nous propose donc quelques trucs, donc je vais juste passer à côté. Donc ça c'est une sorte de niveleuse. Pour moi ça c'est un broyeur, donc on testera tout, hein, en live ce soir, normalement on testera tout. Voilà voilà, on a pour atteler. On a rogneuse, ça doit être ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un godet, deux godets, trois godets, quatre godets, cinq godets, donc on a cinq godets. Fourche à palette. Planteuse d'arbres, donc ça je vous le testerai aussi avec vous. Donc ça c'est pour mettre à l'avant, donc pareil ça je le testerai avec vous.
Donc, si la présentation n'est pas complète, je vous le répète, mais je pense que toute sa vidéo, j'aurais dit ça, mais n'hésitez surtout pas à venir en live. Donc, on a la petite remorque. Voilà. Et on a le godet à l'avant. Donc, je pense que c'est pas forcément un godet pour charger, mais il peut. Enfin, c'est ça sa fonction première, mais on peut mettre les godets dedans. Et j'ai vu que normalement, on peut sangler, voilà. Donc, les godets sont sanglables. Je sais pas si ça se dit, mais on peut les sangler. Donc, pareil sur la remorque. Donc, voilà. Hop, on va se mettre devant les tractopelles. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à venir sur mon live ce soir. Je verrai bien l'horaire. Donc si vous ne savez pas, enfin, je sais pas l'horaire, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. À lâcher un maximum de pouces bleus pour ce tractopelle. À activer la cloche de notification. Donc vous mettez notification, toute notification, pour recevoir la notification du live de ce soir. Cette vidéo va sortir très vite, très rapidement. Je la tourne. Là, je vais la finir de la tourner vers 17h30. Il faut qu'elle sorte vers 18h30, grand maximum. Parce que ce soir en live, on va vraiment tout tester. Donc, vous voyez le maximum de matériel. N'allez pas être surpris de voir que le matériel soit le même que là en vidéo. Parce qu'on va reprendre le matériel qu'on a acheté, ça sert à rien que je le revende, que je le rachète en live. Si vous êtes sur le live, donc n'hésitez pas à regarder le début de la vidéo, tout ça. Enfin voilà, vous allez me comprendre. Je suis vraiment trop content. Donc c'est pour ça que ce soir je vous fais un live. Demain soir il y aura un live. Voilà, pour ce tractopelle, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Aussi, je voulais vous présenter, donc c'est un petit mode bonus, on va dire, de la présentation du tractopelle. J'espère que j'aurai assez d'emplacement. Voilà, c'est ce Fendt, je suis obligé de vous le présenter. Je sais pas si je vais pouvoir l'acheter, mais vraiment, enfin voilà quoi. Faut voir le boulot que les modeurs mettent. Vraiment. Donc on a différents pneus. Voilà, on a Michelin. Mince, à chaque fois je me trompe. On a Michelin. Donc on a vraiment beaucoup de choses. Donc on a le Vario Grip. Enfin, on a vraiment tout. Pareil, ce soir je vous le présenterai en live, bien sûr. Voilà. Je vous présenterai le tracteur en live ce soir. N'hésitez surtout pas encore à venir sur le live. Voilà, on va mettre 942. On peut enlever les garde-boue, on peut changer la couleur. J'ai pas assez d'emplacement. Je vais juste vendre un truc. Je le rachèterai plus tard. C'est pas très grave. On va vendre, allez, le Dutz. Je le rachèterai pour les fans de Dutz. Et on va l'acheter. J'ai toujours pas assez d'emplacement. Bon, c'est la vidéo, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire ce soir. Je vais vendre ce tractopelle là parce que je suis pas très fan avec la nacelle. Mais ça reste vraiment des très très bons tracteurs. Hein. Des très bons tractopelles, pardon. Voilà, on va se mettre comme ça. On va se mettre les gyro LED. On va se mettre comme ça. Tac. Je vais pouvoir vous l'acheter, vous le montrer rapidement. Voilà, donc voilà. C'est vraiment. Et on a des vrais gyro LED, les gars. C'est bon, on a notre tracteur pour le TP. On peut plier les gyros, on peut tout faire. Bon, par contre, la fenêtre arrière, elle est toujours aussi lente. Mais bon, c'est pas un problème. Ok. Ok. Allez, on le démarre. Je vais voir l'animation à l'intérieur. Ok. J'ai peut-être changé un truc, attendez. En tout cas, je vous le présenterai vraiment en live. Hein. Donc n'hésitez encore pas à venir sur le live. Ok, j'ai compris. Bon, sinon, les gars, je vous le présenterai en live ce soir. Parce que sinon, j'aurai pas assez de temps pour vous sortir la vidéo. Donc vraiment. N'hésitez surtout pas à venir sur le live ce soir. Je vous le redis encore, je ne vous le dirai pas assez. Mais venez sur le live, soyez nombreux s'il vous plaît. Je vais vous présenter le tractopelle entièrement. On va le tester. On va tout faire pour que on le teste entièrement. Tous les outils seront testés. Donc voilà. On se retrouve ce soir en live. Je compte sur vous pour partager en masse la vidéo sur les réseaux sociaux, partout où vous voulez. Donc voilà, on se retrouve ce soir en live. Et puis voilà, allez, à ce soir les gars, je compte sur vous, allez, ciao!